Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Bon, parlons peu, parlons bien. On en est où concernant la partie 3 de l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends? Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander est-ce qu'il va y avoir une partie 3 sur le jeu? Eh bien, on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Yo tout le monde, ça fait Magic, on se retrouve pour du Dragon Ball Legends. Comme vous l'avez compris, on est en pleine célébration d'anniversaire. On a eu la partie 1, la partie 2. On va pas se mentir, on aurait pu avoir mieux. Voilà, je trouve que voilà, c'est un petit peu léger pour une célébration. En tout cas, quand je joue à Dragon Ball Legends actuellement, je n'ai pas cette impression d'être en célébration. Ça reste que mon avis. Il y en a certains, apparemment, ils s'amusent comme des fous. Après, quand tu es un nouveau joueur, je peux comprendre parce qu'il y a quand même pas mal de contenu à faire quand tu viens de débarquer sur le jeu. Mais pour un joueur comme moi qui joue depuis Day One, depuis 4 ans au jeu, et qui a déjà tout farmé, c'est un poil limite. En revanche, il y a quand même des cristaux à aller chercher à gauche, à droite. Et ça, pour le coup, c'est quand même pas mal. On a eu également Nigaté, le perso star de cet anniversaire, qui est arrivé, qui est vraiment bien réussi. Ensuite, en seconde partie, on a eu le Tapion et le Goku SSJ 3 LF Ryuken. Moi, je trouve vraiment incroyable, tu vois, c'est stylé. Mais c'est vrai que le recyclage de son attaque Ryuken, comme on a dans les invocations, ça fait un petit peu grincer les dents. En revanche, le perso, je trouve qu'il est quand même vraiment stylé. Mais pour une célébration, c'est peut-être encore un poil léger. Voilà, après on verra bien. Mais est-ce que la partie 3 ne pourrait pas nous révéler des surprises? Est-ce qu'il y aurait déjà une partie 3? Eh bien, on va y répondre juste avant cela. Vous voyez, là, je suis sur mon compte Twitter. C'est @SofianLeGeek. D'ailleurs, si tu ne me follow pas, n'hésite pas à aller te follow. Le lien est dans la description de cette vidéo. On avait fait avec le frérot Hardware le jeu concours pour vous faire gagner un PC gaming Super Saiyajin pour la Geek Family. Et du coup, il va y avoir le gagnant qui va être tiré au sort en fin de vidéo. Donc, restez bien attentifs. Max de pouces bleus, s'il vous plaît. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire en fonction de ce que je vais dire pour cette partie 3. Alors, comme j'ai pu vous le dire, on va aller directement sur mon compte Twitter parce que j'ai beaucoup tweeté avec des petites infos à gauche, à droite qui se sont glissées. Je tiens juste à préciser une chose. On va parler des transfos du film Dragon Ball Super Super Hero. Alors si vous n'avez pas été spoil, quittez la vidéo. Mais en revanche, c'est même pas vraiment du spoil parce que maintenant ça a été révélé officiellement de la part de la Toei dans le dernier trailer qui est arrivé. Dans le dernier trailer, autant vous dire, moi j'ai vu le film, ils vous ont balancé tous les trucs, en fait, tous les trucs marquants du film, tous les trucs clés du film, ils les ont balancés dans le trailer. Je sais pas pourquoi ils font ça. Moi, je suis pas choqué parce que je l'avais déjà dit il y a de ça un mois qu'ils allaient faire la même chose qu'ils avaient fait pour le film Dragon Ball Super Broly. Ça avait déjà été le cas et ils ont refait la même chose. Donc, moi, je suis pas choqué. C'est juste certaines personnes qui disent mais non, mais moi, j'avais rien vu et tout. Bah, je vous l'avais dit, les gars, si vous êtes sur internet, sur les réseaux, etc., si vous voulez attendre la date officielle de la sortie du film Dragon Ball Super Super Hero au cinéma en France, faut se déconnecter d'internet. Si t'es sur internet, t'es obligé de tomber, voilà, si tu suis un minimum de trucs sur Dragon Ball, t'es obligé de tomber sur une transfo, un spoil ou quoi. Donc voilà, donc si jamais, au cas où, vous n'avez vraiment rien vu des transfos, vous n'avez pas vu le trailer, quitte cette vidéo. Je préfère être honnête avec toi. En tout cas, voilà, si derrière vous connaissez déjà les transfos, etc., je vais pas vous parler de l'histoire, hein, mais c'est juste au niveau des transfos, c'est bon, tu peux rester. Donc on y va, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, du coup, on avait ce fameux Piccolo, vous voyez, c'est affiche officielle hein, pour le trailer, etc. Piccolo Hulk, fusionné avec Bob l'éponge. Je rigole les gars, non mais en fait la tête ça me dérange, tu vois, il est un peu jaunâtre et tout, avec là du orange sur les bras, bon, on aime pas. Voilà, ça c'est bon, voilà, moi j'ai dit chacun aura sa préférence pour Piccolo, moi je suis plus un petit peu team Piccolo DBZ, tu vois, à l'ancienne, je trouvais que voilà, il était vraiment stylé et tout, même le chara-design, maintenant on a un truc qui ressemble plus à du Marvel, tu vois, vraiment à du comics, voilà, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, bon, ils sont partis dans ce délire-là avec Toriyama et tout, chacun aura son style. Donc voilà, ça déjà, vous allez voir où je veux en venir, ça c'est pour le Piccolo, d'accord? Le Piccolo, le Orange Piccolo, qu'on voit justement son power-up et tout dans le film, comme je vous ai dit, je vais pas spoiler l'histoire, mais même son power-up, je n'adhère pas, vraiment, je n'adhère pas. Ensuite, voilà, j'avais mis le trailer Dragon Ball Super Hero a spoil tout le film avant sa sortie au cinéma en France. J'avais prévenu il y a un mois qu'ils allaient faire ça. Du coup, il y a des chances de voir arriver ce Gohan sur Dragon Ball Legends. Je n'aime pas cette transfo, mais les goûts et les couleurs, voilà, ça se discute. Et vous voyez, sur Twitter, j'ai quand même flouté l'image. Voilà, je l'ai masqué comme ça. Si derrière toi, tu ne l'as pas vu au cas où, boum, tu t'es pas pris le spoil en pleine face. Du coup, je vais vous la montrer. La voici.
Bon, bah voilà, hein. Ça c'est la nouvelle transfo de Gohan dans le film des PS super-héros. Je suis désolé les amis, je m'y fais toujours pas. Franchement, je m'y fais toujours pas. La vérité, la grosse chevelure et tout comme ça, frère, on dirait qu'il a une canne à pêche devant, tout ça. En fait, c'est beaucoup trop volumineux. Tu vois, ce que je veux dire, tu rétrécis de 2 fois la taille des cheveux, ici, tu vois, ça aurait déjà un peu plus de gueule. Tu rétrécis un petit peu la mèche, tu vois. En gros, lui faire sa coupe de veuche de Ultimate Gohan. Tu vois, voilà, coupe de veuche Ultimate Gohan, tu veux les mettre un peu blanc, argenté, gris, ce que tu veux. Vas-y, mais, même si moi, les couleurs de cheveux, rouge, bleu, rose, etc., je trouve ça un peu tiré par les cheveux, c'est le cas de le dire. Les yeux rouges, en revanche, ça, j'aime bien. Tu vois, les petits yeux rouges, j'aime bien parce que c'était vraiment, en fait, la base de la transfo Super Saiyajin. À l'époque, Toriyama voulait mettre les yeux rouges pour Goku dans l'arc Namek, et du coup, ça ne s'était pas fait. Bon, qu'ils veuillent le mettre maintenant, pourquoi pas. Donc ça, c'est pour le Gohan. Voilà un petit peu les infos qu'on a vues. Et là, après, j'ai commencé à chercher un peu à gauche, à droite, etc. Je me suis dit, oh là là, la Toei sort un trailer avec les transfos Piccolo, Gohan, on a vu également le Cell Max et tout ça. Donc le Cell Max, c'est l'antagoniste de fin du film, hein. C'est celle en deuxième transfo. À la place d'avoir du orange sur les côtés, c'est du rouge. Voilà. Il parle pas, il fait que de violet. Pff, voilà, c'est un méchant un peu osef. Vraiment, tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai pas eu de frisson ou quoi que ce soit. Bon, bref. En revanche, je me suis dit, mais attends, ils ont balancé la sauce. Donc maintenant, plus rien n'empêche les développeurs de jeux vidéo de balancer les persos. Comme ils avaient pu le faire en 2018. Pour Dragon Ball Legends. En 2018, au cas où, pour ceux et celles qui ne jouaient pas à Dragon Ball Legends, on avait le film Broly qui était sorti au cinéma au Japon et toujours pas en France. Dès que le trailer a été balancé officiellement où on a vu Gogeta et Broly, Dragon Ball Legends, ils ont dit « Allez, c'est parti, boum, on passe la 2, on sort les persos. » Ils nous ont sorti le Broly Transfo type violet, qui a eu un Zenkai maintenant, et également le Gogeta Transfo SSJ du film qui est de type bleu, qui a eu également un Zenkai. Ah, ils ont balancé direct. Ah, ils n'ont pas cherché à comprendre. Donc là, les trailers viennent d'arriver, les films sont sortis au Japon. Les amis, je pense qu'on va avoir une partie 3 accentué sur le film Dragon Ball Super Héros. Mais on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin. Du coup, attends. Ah oui, et en plus, tiens, pour la petite anecdote, Toriyama a fait une interview et il a dit, il a visiblement beaucoup galéré à décider de son design, donc il parle de Gohan, et ça se ressent bien dans son message que la transfo de Gohan lui a été imposée. Donc en gros, la Toei, voilà, tu vois, ils imposent des choses à Toriyama et après ça part dans tous les sens et voilà. Au début, il l'avait même imaginé avec un visage terrifiant et la peau bleue, mais ça le faisait pas, lol, on a évité le pire. Imaginez-vous que Toriyama, il était à deux doigts de nous sortir un Gohan avec la peau bleue, en mode Avatar. Non mais, là, c'est bon, tu vois, là, c'est bon. Donc voilà, j'ai mis ça, donc n'hésitez pas à me follow hein, sur Twitter, comme ça au moins vous voyez un petit peu toutes les infos, tout ça, dès qu'il y a des news, voilà. Oh là 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 là, ça j'ai vu le frérot Bilel Shkitu, pour ceux qui suivent un petit peu la boxe, etc., c'est un grand grand champion. Et pour la petite anecdote, bah voilà, bah tenez, je vous la lis. Quand tu demandes une photo à un boxeur pro, Bilel Shkitu, et que c'est lui qui te dit « Salut Msoso, mais c'est moi qui veux ma photo, je te suis sur YouTube !» Est-ce que vous imaginez, il y avait des gens et tout qui se prenaient en photo et toi et plus. Moi j'arrive, je dis « Je peux avoir une photo ?» Il m'a fait « Oh, mais Soso et tout !» En gros, il me suivait, c'est incroyable. Et du coup, il est fan de Dragon Ball. Il m'a montré son téléphone, il me dit « Regarde, j'ai la cloche et tout d'activer !» Incroyable les gars, franchement. Et c'est pour ça que je trouve que Internet est vraiment magnifique. Franchement, c'est incroyable. Et en plus, c'est un très bon gars. Et d'ailleurs, il y a peut-être des choses qui vont arriver sur la chaîne prochainement avec lui. J'en dis pas plus, restez bien actifs. Voilà. Hop, du coup, voilà, j'avais même mis une story sur Instagram. N'hésitez pas à me follow également sur mon compte Instagram. Ça fait plaisir, on met pas mal de stories, etc. Donc là, ce matin, les nouvelles transfos du film DBS arrivent le 14 juillet sur le jeu Super Dragon Ball Heroes. Comme je vous ai dit, la Toei ont sorti le trailer dévoilant les transfos. Ben maintenant, les devs, ils passent la 2, les gars, et ils vont vous sortir les persos sur les jeux vidéo. Parce que là, on n'est plus dans le spoil. Là, on est sur des choses teasées officiellement dans les trailers de la part de la Toei elle-même. Donc là, on peut le voir,
ils ont modélisé le Gohan. Bon, les graphismes Super Dragon Ball Heroes, les gars, c'est à revoir. Ouais, tu vois, la mèche, non, franchement, ça, la mèche, il y a un problème. Clairement, cette canne à pêche, il y a un problème. Bon, bref. Donc, voilà, ils ont, en gros, voilà, fait montrer un petit peu à quoi va ressembler les persos. On a également le Piccolo. Pareil, Piccolo, la tête carrée à la Schwarzenegger. Je ne comprends pas, avec les antennes relevées comme s'il était en Super Saiyan, parce qu'il n'a pas de vœux, je le prouve. Enfin, bon, bref, voilà. Ça, c'est le Orange Piccolo, et pour la prononciation officielle justement du nom de Gohan, la transfo, si je dis pas de bêtises, je crois, c'est Beast Gohan. En gros, Gohan bestial. Pourquoi bestial, je sais pas. Alors d'ailleurs, tu me sors le SSJ4, tu l'appelles bestial vu qu'il y a les poils d'Otzaru et tout ça, et je vois bien, mais là, pourquoi bestial? Bon, bref. Voilà, vous me direz vous aussi ce que vous en pensez de ce nom. Donc voilà, ça c'est pour Super Dragon Ball Heroes. Bon, bah j'ai dit, préparez-vous à voir la même chose sur Dragon Ball Legends. Voilà les amis. Là, clairement, d'ici quelques semaines, je pense, peut-être mi-juillet, ou peut-être fin juillet, mais je pense vers mi-juillet, on va avoir des annonces concernant justement l'arrivée de ces deux persos du film Dragon Ball Super Super Héros. Même ça, le nom Super Super Héros, j'ai encore du mal. Et pour ceux qui ne savent pas, Toriyama l'a avoué en interview, en fait, il avait oublié que sa licence Dragon Ball aujourd'hui s'appelait Dragon Ball Super. Voilà, du coup, il n'y a personne de la Toei qui a dit hop hop hop, attends Toriyama, Dragon Ball Super Super Héros, ça sonne pas très bien. Non, parce que lui en fait il croyait, il était toujours encore à Dragon Ball, tu vois, donc il a dit tiens, Dragon Ball Super Héros, c'est pas mal ça. Sauf que non, en fait c'est Dragon Ball Super Super Héros, mais personne n'a eu la délicatesse de lui dire Toriyama, ça sonne pas très bien. Ils ont dû dire ça, c'est une idée de génie. Ah, lui, nous on sait pas, on croit que c'est pas bon, mais lui il sait, lui c'est un génie. Voilà les gars, ça c'est, voilà, c'est en interview, hein, c'est pas des conneries, hein, c'est, voilà. Donc voilà un petit peu pour les news, les amis, et d'ailleurs n'hésitez pas à vous follow à mon compte Twitter, c'est @SofianeLeGeek, le lien est dans la description de cette vidéo, tout comme le reste de mes réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va faire le tirage au sort pour savoir qui est l'heureux ou l'heureuse gagnant ou gagnante du PC gaming du frérot Hardware. Il fallait participer sur les trois réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, et c'est qui? Ça va être Facebook, ok, très bien, let's go pour Facebook. La page Facebook, forcément, du frérot Hardware, let's go, du coup, voilà, ah là là, avec mon PC, la vignette de Badak, ça c'était mon PC, et puis bah voilà, ici, là, vous voyez bien mon PC gaming que le frérot Hardware a customisé, et ça, c'est le PC gaming Super Saiyajin, hop, la vérification. Donc voilà, il y a le chargement, ça va prendre un petit peu tous les participants justement du jeu concours. Donc voilà les amis, hein, encore une fois, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à remercier le frérot Hardware parce qu'il n'était vraiment pas obligé de le faire. Il vous fait quand même gagner un PC gaming. Il y a l'un d'entre vous qui va être super satisfait, ou l'une d'entre vous également. Je vais découvrir ça avec vous. Ok, le chargement, il est bientôt terminé, attention, alors du coup, voilà, il faut mieux aller dans les paramètres, ok, on enlève les doublons, voilà, il fallait faire 2 mentions minimum, confirmé, et là, début, 5, 4, 3, 2, 1, yeah! Et du coup, c'est Fabien Deroir qui a remporté le PC, bravo à Fabien. Vraiment, bravo à toi, tu vas pouvoir profiter de ce PC, ça fait vraiment plaisir de faire kiffer la communauté. Et il y a d'autres choses qui arrivent prochainement, restez bien attentifs sur la chaîne, mais également les réseaux sociaux, et plus particulièrement Instagram. Voilà, va te follow à mon compte Instagram, crois-moi, il y a des choses qui arrivent, tout comme d'ailleurs la figurine de Piccolo du film Dragon Ball Super Super Héros qui est à gagner actuellement sur mon compte Instagram. Mais prochainement, il va y avoir du lourd. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek.